circoncisé spirituellement, when the Lord circumcises you spiritually, ça veut dire il fait tomber le désir de la chair. He makes the desires of the flesh fall. Le désir de la chair tombe. The desires of the flesh fall. Donner naissance au désir de l'esprit. It gives life to the spiritual. Lorsque le désir de la chair tombe, when the desires of the flesh fall, tu grandis maintenant dans l'esprit. You will now grow in spirit. Tu vas comprendre que le corps, you will now understand that body, dominé par ton esprit, is now taken over by your spirit. Le corps est maintenant dominé par l'esprit. The body is now taken. Mais généralement, toi et moi, but generally you and I, notre corps, our bodies, influence, notre esprit, our spirit. Alors ce n'est pas bon. But it's not good. Lorsque le corps influence l'esprit, when your body begins to influence your spirit, meurt. It means your spirit dies. Alors que l'esprit va influencer le corps, meanwhile the spirit must influence, le corps va mourir. The body must die. Afin que l'esprit puisse trouver so la vie. So that the spirit might find life. Alléluia. Je pense que vous avez compris. Je disais que je serai pour la chorale nous amène ici dans l'adoration et dans le louange pour au moins 10 minutes. Soyons connectés, ma soeur et mon frère. Let us be connected, brothers. Je pense que là où tu es, tu comprends déjà le langage. Tu comprends le langage. Le corps physique doit mourir. La circoncision que Abraham faisait, c'était le symbole de l'alliance. Donc, tu sois dans l'alliance. And when you are in tu dois être circoncisé. You must be circoncised. Tu dois être circoncisé. You must be circoncised. Tu dois être circoncisé. You must be circoncised. Ici, spirituellement, je dis, here spiritually it means tu dois faire tomber une partie de ton corps. Parce que les enfants d'Israël faisaient tomber une partie de leur corps. C'est-à-dire que le désir de la chair va tomber. Le fruit de la chair va tomber. Afin que le fruit de l'esprit soit augmenté, puisse grandir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oral, s'il vous plaît. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Clap your hands for the Lord.